Waouh, ah, c'est vrai que les gars là il va prendre très très cher. Il y a peut-être ballon par contre, mais normalement les petits dégâts, oui. On va dire super combat. On va foudre une dernière fois pour terminer les deux tours. Bonjour les gars, c'est Zeus TV, comment allez-vous? Moi ça va super et là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après 2-3 streams qui ont été super sympas les gars, on a gagné presque 25 abonnés, c'est splendide les gars. Je vous rappelle qu'à 200 abonnés je fais un stream pour un petit tournoi à 100 gemmes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, pour qu'on arrive le plus possible à 200 abonnés, pour avoir un petit tournoi que j'organise pour, pour vous. Donc maintenant je suis là pour vous présenter un petit deck molos de lave qui est franchement pas dégueu. Je suis en train de jouer en petit défi classique. Je l'avais joué un peu en stream et je l'avais vraiment pas fait des mauvaises games. J'étais monté même à 12 victoires à un moment. Et je surfe un peu entre deux decks. Et franchement il est pas nul, il y a beaucoup de PK en ce moment. C'est pour ça que j'aime bien envie de partir sur de l'aérien, parce que le deck cochon a du mal. Et là on est directement parti en défi classique, donc je suis à 2 victoires. Même si ça n'a pas été très simple à chaque fois, on va essayer de battre Tabasco. Alors on dit bonne chance. Donc là on a pas dans un mauvais scénario. Je préfère jouer ici le. Allez, on va jouer devant l'extracteur. Pour au cas où il y a une roquette, j'ai pas envie qu'il me fasse qu'il y ait trop de value. Ouh là il veut nous punir clairement. Ouh pas mal. Ah il joue bien, mais là on va réussir à. Waouh, les garous qui sont arrivés juste à temps, parce que bah un peu plus tard. Et là il poison, mais ça m'a l'air un peu agressif son poison. Même si ça touche la tour, là, ouais, là, il a. Ouais, bon, bah, c'est pas mal. Même s'il nous a quand même bien fait mal, au moins, on sait maintenant qu'il avait un. Il a été très agressif et on sait maintenant qu'il a un deck. Faut que je garde mon gang de gobelins pour sa voleuse, parce qu'elle peut faire vraiment très très mal. Et surtout, les gars, ce qui est super stratégique dans ce deck, c'est franchement les flèches. Il faut très très bien les utiliser et c'est pas très simple vraiment attendre. Si on sait que l'adversaire a une horde, il va essayer de vous la faire dépenser. Et je vais partir directement sur un ballon, parce que s'il met une troupe aérienne, et là je peux foudre s'il met quelque chose d'autre. Je vais foutre ou je flèche là. Hein. Clairement, ok, on va faire un énorme foudre. Énorme foudre, les gars. Ça, c'est franchement pas mal. Et la tour qui ne va pas tomber à cause des chauves-souris qui font du gros taf. Et ah, peut-être qu'elle va tomber là. La tour va tomber, je crois. Et la tour qui va tomber, je crois, et pas la nôtre qui résiste encore un peu. Par contre, on sait qu'il va falloir faire super attention. Par contre, tout simplement, on va faire attention à. Je sais pas, à son attaque. On va mettre l'extracteur du côté où le cimetière va pas nous attaquer en fait. Ah, je sais pas. Je vais mettre de ce côté parce qu'il a pas attaqué avec son cimetière de ce côté, ça serait bête. Voilà, super, comme ça il va nous attaquer de l'autre côté. Ah, il poison. Moi ça, ouais, c'est vrai, mais je suis content de l'armée de ce côté, clairement. Je pense que je vais partir sur un molos de lave. Il a pas grand chose contre l'aérien, hein, je crois. Hein. Où j'ai tout pu foudrer. Ah si, il va falloir jouer en fait sa Night Witch. Je pense qu'il va falloir que je la foudre et que je flashette ensuite les. Ok, donc là ça va pas être très simple. On va mettre la petite gargouille ici. On va devoir défendre. Ouh, la voleuse qui va faire du gros travail. Ouh là, la voleuse qui fait du très gros travail. Et derrière, on va passer le petit ballon. Parce que là, on a réussi à défendre, hein, clairement. Et là, la contre-attaque qui va être assez douloureuse pour lui. On va foudrer tout ça. On va foudrer. Ouh. Oh non les gars, j'ai raté ma foudre. Qu'est-ce que c'était mauvais cette foudre. Mais on va prendre la tour. Je pense qu'on va juste mettre une énorme pression, parce que pour l'empêcher en fait de m'attaquer, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il va essayer de mettre une grosse pression lui aussi. Par contre, je vais garder mes minions juste pour son cimetière, parce que c'est le plus dangereux quand même. Le cimetière, ça peut vraiment faire du gros travail. Le gang de gobelins, on va le mettre là juste pour défendre. Et là, normalement, c'est GG. C'est GG les gars, normalement, si on joue, on fait pas n'importe comment. Si on fait pas n'importe quoi, on s'est gagné. Super combat. Attendez, il faut juste qu'on finisse avec un petit food là. Voilà. Et la troisième victoire, parce que je viens de faire deux victoires à l'instant. Pas mal, un petit 3-0. Ça n'a pas été très simple, vous avez vu, mais là, il n'avait pas grand chose contre l'aérien. Et puis le food nous a bien aidé, alors que dans les deux premières games que j'ai faites, en fait, j'ai quasiment pas utilisé le food. Bah voilà, fait 3 couronnes de. Et les couronnes, attendez, les couronnes comptent pour le clan aussi. Mais c'est un coffre de clan de quoi alors? Je vais aller voir. C'est un coffre de clan de quoi? Bon, bref, je sais pas. C'est pas venir rejoindre le clan. Alors, on va ouvrir le petit coffre. Oh là là, un mortier. Waouh, oui, fournaise, hein, c'est pas dégueu. Bon, bah, je pense faire une deuxième game, hein. Franchement, pour l'instant, on est sur de la victoire. On change pas un deck qui gagne, hein. Et là, on va jouer contre Missa de Max Power en italien, je pense. On va voir comment on peut jouer cette pompe. C'est vrai que la pompe nous a quand même pas laissé. C'est pas vraiment un beatdown, hein, vraiment, parce que c'est pas du tout comme un deck golem. Je pense pas que ça se joue comme ça. Ok, le géant squelette. Ah, j'aime pas les géants squelettes. J'aime pas. Je vais pas être le seul. On va juste en profiter pour avoir un. Pour faire un petit élixir trade intéressant. Ça fait du bien.
Et puis on va juste envoyer les petites gargouilles pour tuer les gobelins. Il faut qu'ils crèvent, faut pas qu'ils meurent les gobelins parce que c'est notre seule troupe terrestre. Donc voilà, oh on a eu chaud, on a eu chaud, on a eu chaud. On va encaisser les dégâts, on va encaisser les dégâts. Non, on peut pas encaisser trop de dégâts, faut que je mette une méga gargouille ici. Parce qu'on va prendre vraiment très 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 cher. Oh ça va, n'empêche. Mais là je pense qu'on va partir sur une deuxième pompe, hein. Mais vous avez vu bien, vous avez vu sa horde par exemple? Il faut absolument que je fasse pas l'erreur par exemple d'utiliser sa horde contre son gang de gobelins parce que sinon je vais vraiment être puni. J'ai rien d'autre pour tuer la horde que les flèches. Et je crois que je vais. Et donc là je peux pas défendre avec les flèches en fait. Je suis obligé de laisser couler en fait. Et de prendre très cher. Pareil pour le gang de gobelins, je suis obligé. J'ai pas beaucoup de trucs défensifs et surtout contre un géant squelette, ils peuvent vraiment être punis très 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 vite. Donc franchement, je pense qu'il faut pas que je fasse de grosses erreurs là. On va jouer le ballon derrière, j'espère qu'il est bien mis derrière. Ouais, parce qu'il y a des fois, il passe devant le ballon. Il est bien là le ballon. On va préparer les gargouilles. Et là, normalement, on peut fléchette quand on veut. Voilà, on fléchette là. S'il nous envoie une carte, on peut foudre. S'il nous envoie une grosse grosse carte. Ouais, non, là, il va prendre très cher cher. Il va prendre cher, il va prendre cher. On va mettre le petit gang de gobelins pour défendre, même si je pense que là, oh, on va quand même se prendre un peu de coups. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'a pas de boule de feu, je crois, donc je vais mettre deux extracteurs à côté, c'est un peu risqué. Mais ouais, il va nous jouer un gang de gobelins. C'est vrai qu'on n'a rien pour contrer le gang de gobelins, donc là, franchement, c'est pas ouf, mais on a de quoi finir la tour. Ben. Alors, c'est vrai que ça va pas être très simple cette game, hein, clairement, les gars. Simplement parce qu'on a pas grand-chose pour tuer toutes ces petites troupes qui arrivent. Peut-être que je prends mes petites mignons. On va jouer comme ça, on va jouer la méga gargouille. Et là, on va jouer les petites gargouilles tout simplement. On va jouer le gang de gobelins juste pour faire remonter. On va fléchette tout ça. Ouais, il joue bizarrement, clairement. Il voit que en face à face, il passera pas. Donc là, on va lui envoyer bah, du gros. On n'a pas de. Ouais, on a deux méga gargouilles. On a des gargouilles qui arrivent encore. Et il nous envoie un gang de gobelins. Mais il y a rien qui tank pour les gobelins. Donc clairement, là. Clairement, les gars, je pense que ça va partir sur un 3-0 encore, hein. 3-1, bon bref c'est pareil hein. Mais waouh, ah, c'est vrai que les gars là il va prendre très très cher. Il n'y a plus de ballon par contre, mais normalement les petits bigger, oui. On va dire super combat, on va foudrer une dernière fois pour terminer les deux tours. Bien joué. Ah, ça fait plaisir, en deuxième 3 stars. Clairement, clairement, ça fait plaisir. Je crois qu'on est au deuxième seulement. Hein. J'ai pas envie de. Ouais, voilà. Et ça fait notre quatrième victoire, clairement. Ce deck, il franchement fonctionne très bien. On va voir contre qui on est trouvé, parce qu'on peut vraiment être tombé contre des moins bons. Ouais, on tombe contre du 2006 juste avant, du 3005, et avant j'étais tombé contre du 4000 je crois, hein. Et du 3008, et là du petit 4069. Bon, bref, gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah voilà, je vous remonte le deck, franchement il est vraiment pas nul, il n'y a pas de. À part le Moulouse de lave, il n'y a pas de légendaire, franchement c'est pas des cartes très très compliquées à maxer parce que, pour rappel les gars, il manque plein de légendaires moi, ouais, ils manquent vraiment plein les gars, 6 légendaires. Je peux vraiment pas vous faire énormément de decks, pour ça que je voulais essayer de vous montrer un peu des decks. Je vais vous montrer des decks avec des bûcherons, un petit deck avec le molosse. Je vais vous montrer quelques petits decks avec la bûche. Et bah ben voilà, ce deck est vraiment très bien. Ne pas changer de carte, les gars. La bûche, ne pas le mettre à la place des flèches. Et c'est très très dur de remplacer des cartes dans ce deck. Peut-être la méga gargouille, on peut peut-être la remplacer par une tombstone. Ça, c'est possible. Bref, les gars, je vous dis ciao ciao les gars, c'est 2 TV. À la prochaine.